Il y a un truc qui commence à m'énerver, à me casser les. Je vais être poli, hein, tu vois. Tu vois les boules. Voilà, elle me les casse. La cagoule. Est-ce que t'es sérieux? T'es en train de clasher tout le monde? Un point d'âme au cœur. Bon, ça, d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Défi? Manger son caca en direct. T'es sérieux, la cagoule? Mais est-ce que t'es sérieux, la cagoule? Même The Kerry? Il est plus beau que toi. Tu vois, il a pas mis de cagoule. Toi, t'es moche, mon gars. C'est pour ça que t'as une cagoule. Tu ressembles à rien. Tu vois ta tête? On dirait ça. Non, je peux pas montrer. Eh, vous moquez pas de moi, frère. Je bois du Fruit Star. Bon, bref. Vos pires toilettes. On s'en bat les couilles. Pourquoi tu fais des vidéos? Vos pires toilettes. Dégustation. La putain de tarasse de vomi. Dégustation de vomi. Mais est-ce que t'as pas compris, espèce de petit con? Hein? La cagoule de merde. Enlève cette cagoule. Parce que si je te vois à la Paris Games Week, tu vas manger. Tu vois le doigt de pied de The Kerry. Je vais te le rentrer dans ton nez. Tu vas sniffer le doigt de... Ah, Nerdine Bébécus, va. Il faut supprimer Studio Bubble Tea. Bon, ça d'accord, je suis d'accord. La plus grosse pédale de l'univers, Alex Tamburini. Attends. La plus grosse pédale de l'univers. Lui, il a pas de... Comment on appelle ça déjà? Une couche. Cagoule, excuse-moi. Il a pas de cagoule. C'est qui la pédale entre lui et toi? Mais c'est toi! C'est toi! La cagoule! Hein? Espèce de petit enculé, va. Hein? T'es moche, c'est pour ça que t'as une cagoule, là, d'une bébécus. Après, tu clashes qui? Tu clashes Squeezie. Squeezie se fait victimiser par ses abonnés. Bah, déjà, je vais te répondre et je vais te niquer. Comme dirait Brice de Nice, parce qu'il y a le 3 qui est sorti, hein, je fais de la pub. Je t'ai cassé, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pourquoi? Squeezie se fait victimiser par ses abonnés, mais. Il a exactement, je ne sais plus combien d'abonnés, mais il a des millions. D'accord? Toi, t'en as 100 000. Comment tu peux clasher quelqu'un qui se fait victime par ses abonnés? Lui, il en a. Toi, t'en as pas. Enfin, t'en as, mais ils sont là pour se foutre de ta gueule. Parce que tu clashes, tu clashes, tu clashes, mais toi, tu t'es pas regardé. Enfin, si, tu t'es regardé, c'est pour ça que t'as mis une cagoule.